Bonjour mes petits kikounets, j'espère que vous allez bien. Oui, alors on a découvert une musique, une nouvelle. Eh ben oui, voilà, on y est. Bon, bonjour mon petit péniche, j'espère que vous allez bien, vous allez regarder la rediff, que tout va bien se passer. Et puis que, voilà quoi, hein, on y va quoi, hein. Je kiffe, ouais. Hello Topper, salut. On est mercredi, après-midi. Donc on peut se la faire encore un petit peu en mode cinéma. Moi j'aimais bien cette musique. Je vais vous la faire écouter. Franchement, c'est un vrai morceau. Et ça lui va très bien. Ah, monsieur Dick Collins. Ça le fait, non? Hein? On va se promener aujourd'hui. Salut Beurre Jojo. Allez, on va se faire une cigarette en attendant. Enfin, une petite flamme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le serveur, eh bien, écoutez, c'est Lost Streets. Yes, oui, en anglais. Très bon serveur. De bonnes choses peuvent se présenter. Ah, ça fait moins classe, j'avoue. Mais bon. Ça le fait moins classe, oui. Évidemment, avec le Han, c'est pas... Oui, mais j'ai pas de sous. Ça crée un décalage marrant, oui. Bon, par contre... Oui, pourquoi pas. Bon, installez-vous. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais vraiment pas du tout. Aucune idée. Aucune. On va aller jusqu'à 19h. Donc on va se faire un petit 2h30, tranquillou. Bon, allez. On va se concentrer un petit peu quand même. Et puis voilà quoi. Hein ? On est d'accord. Bon, tu vas où, mon petit ? Ah, t'es jamais content. Alors attendez, faut que je regarde, parce que là je suis parti en road, d'accord, ok. Ouais. Est-ce qu'il y a du monde par là? On va faire le tour par là. Allez, c'est parti. Active-toi, mon petit Gaspard. Récompense, mais c'est quoi les récompenses en fait? Je m'absenterai 20 minutes, c'est une petite course à faire. Oui, y a pas de souci. Ah, pas de souci. Y a pas de souci. Hop. Oh, bah, mon siège, il grince. Attends. Ah oui, il grince beaucoup. Il date de Noël dernier quand même. Il a fait son temps. Trop resté dessus. C'est un peu ça, hein, quand même. As-tu fini de râler? Oui. Ouais, mais bon, j'y peux rien, moi. J'y peux rien du tout.
Bon, là, c'est promenade, hein, c'est tranquille, c'est mode détente, on va papoter un peu, à moins qu'on rencontre des histoires farfelues, évidemment, mais parce que, bon, vous avez vu que la dernière fois, je me suis quand même pété trois fois la gueule. Hein. J'ai oublié de mettre, par contre, dans ma chaîne, interdit de moins 18, parce que je pense que, de temps en temps, ça va loin. Enfin, il y a des sous-entendus, mais il faudrait que je le mette, en fait, hein, pour les trucs qu'on soit embêtés. Que je m'achète une brosse, mais j'ai pas de sous. Regarde, j'ai 0$. Oh, je crois pas. On peut travailler pour la poste, il me semble. Je crois, si j'ai bien compris. Ouais, je vois ça. On va aller voir. Et ça peut être bien, même 21 à la limite. Je sais pas si ça. Si ça se fait 21. Alors, est-ce que lui, il propose quelque chose? Attends, je vais... Tu bouges pas de là. Bonjour, monsieur. I promise I'll try and be quick. Yes, of course. As-tu pour commencer une livraison? Ah, bah, je vais faire une livraison. On va voir. Attends, je vais ranger mon âne. Bouge pas, Gaspard. Ah oh ben bravo, bravo, bravo. Ouais, commence bien ça, tiens. Ça pleut. J'espère que c'est bien payé ou pas. 1$. Donc l'économie là par contre, elle est hard. Hein. C'est-tu qu'il va y avoir une tempête? Bouge pas de là. Alors. Bon, vous avez passé une bonne journée, bien travaillé, sous la pluie. Sous la pluie. Alors, bah, je vais tout tremper. Je vais pas parler de Vinkaway, ça n'existait pas à l'époque. Hey, hear me out, won't you? Vous avez commencé à livrer. Je vais livrer. Oh, bah, je vais livrer. Je sais pas ce que ça vaut. Ça tourne pas ce machin. Mais recule. C'est pas une voiture, hein. Allez! Oh là 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 là. Attention madame. C'est pas gagné. Hein. Un petit toutou. Ah, il a répondu. Faut que j'aille livrer un truc. Donc, hier, enfin, l'autre soir, quand on s'est vu, je suis habillé en rouge parce que c'est. Semaine de flotte. Ah oui, bah oui. Oui, c'est clair. C'est comment. Constance qui m'a prêté des affaires de Monsieur Valentin. Parce que j'avais un peu des trous. Bonjour! C'est la première fois que je fais une livraison, donc je sais pas ce qui hein, voilà. Bonjour. Oula, il y a des armes là. Faut faire quoi? Entrée pour livrer. Descends. Ouais, descends de là. Bah tu vas vite te calmer mon garçon. Tu me parles meilleur. Livraison effectuée. J'ai gagné des sous, pas? Pas du tout. D'accord. Peut-être qu'il faut en faire plusieurs. Tite, tite, tite. Bon. Commençons pas les conneries, parce que... Allez, mon petit. Je sais pas comment tu t'appelles, mais...
Elle tourne à gauche. Attention à vous. Je sais pas, je découvre ce qu'il faut faire là. C'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. Alors je vais pas me mettre en mode cinéma parce que ça sent les grosses boulettes. Pourquoi je dois aller vers la droite là? On gagne combien là pour ces petits sous? Ça me fera toujours des petits sous. Hein. Ça vaut quoi en cinéma? La 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 la. Par contre, attends, faut que je. Ah bah fais attention! Allez, sans douter. Elle est sans douter. Il peut aller vite. Hein. Je dois livrer où là? L'autre jour, je suis passé sur ce pont-là, il y avait un ours encore. Vivement que j'ai une calèche. Hein. Ce serait cool, tu sais, tu fais marcher ambulant. Livraison effectuée. Et je vais en faire combien hein? Allez, avance mon petit. Oula, doucement. Bonjour madame. Good morning. Réponds pas. Messieurs. T'imagines s'il faisait un RP sur Assassin's Creed? Ce serait stylé. Enfin, je sais pas ce que tu lui ferais, mais... Ça fait... Il est vraiment beau, hein, ce jeu. Avance! Mais il faut qu'on cotise 200... Combien? 200 dollars? Je sais plus. 180? C'est une blinde, cette histoire. Ça va faire cher, hein? Vous ne l'avez pas donné? Je sors du mauvais côté, quoi. Voilà, c'est livré. Allez, en route. Voilà, tu peux foncer, là. Par contre, faut pas que... Genre, je crache parce que je me retrouve dans la pampa.
Cambriole une banque? Non. J'ai pas d'armes et puis je suis pas très cambriolage, ben, c'est pas trop mon... Hop là. Hop là, boum, boum, boum. Bon, j'ai fait du café, mais parce que j'en avais pas. Alors j'avais un fond de café, mais bon, tu m'en dirais là. Et je sais pas où je vais, mais. Et je retourne là-bas après. Hein. Oh mon dieu. Sais-tu ça va? Oui, tout le mal que tu nous as fait, c'est pas terrible, hein. Je me parle à moi-même. Papy honnête, oui, mais grave. Je suis pas trop dans... Enfin, ça dépend, hein. Il faut toujours des magouilles. Mais pas dans du dans de la violence. Toujours détourner... Oh, arrête-toi, c'est avant. Recule. Avance. Recule. Voilà, allez, avance. Doucement. Ouais, si je me mets dessus, je vais pas pouvoir... Tu peux pas avancer un peu? Je peux pas, là. Encore? Voilà. Voilà une petite livraison. Je sais pas ce que je livre, mais... Ça rapporte combien? Je suis curieux. Mmh. On dirait que... Non, c'est pas ça. Je me suis couru de touche. Faut pas dire, je fais que de la boulette. Bon, j'arrête mes conneries. Oh, mais ça braque pas terrible, hein. Arrête-toi. C'est bien, il regarde derrière. Alors, mais je m'en vais où? Je vais être paumé dans la pampa après. C'est quoi ce bruit? Attends, doucement. Oh là là là. Je vais me vautrer dans les... Ah, oh, j'aime pas l'endroit. C'est un endroit un peu glauque. Vous vous souvenez quand on avait visité avec Marie... Madeleine? C'est pas très... Bonjour! J'espère que c'est bien payé. Ouais, bah j'espère aussi. Bonjour! Un joli chapeau que vous avez. Bonjour monsieur. If you let me explain. Non. Livraison terminée. J'ai plus de charrette. Vous avez une autre charrette? J'étais payé combien? 88 centimes. C'est pas mal. On devrait faire une autre livraison. Parce que... Voilà. Hein?
Heureusement qu'on peut. Heureusement qu'ils ont mis notre livraison à côté, parce que normalement, tu fais comment, quoi? Eh, 88 cents, c'est, ça va. Pour 3 colis, hein, c'est ça? Ou 4, je sais plus. 3, 1, 2... Non, 4 colis. Ouais, c'est bien, ça va, c'est bon. C'est à défaut de pas avoir de boulot, et surtout de pas... En fait, pourquoi j'ai arrêté le job là-bas, c'est que comme je ne peux pas farmer tous les jours, j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un, quoi. Qui, lui, pourrait... farmer beaucoup plus, quoi. Un peu capricieux, mon thé, hein. Tu vois pas qu'il y a un arbre, là? Allez. Allez. Ya. Ya, ya. Tagada. Non, ça va, hein, 88 cents, c'est... Enfin, centimes, je sais pas comment... C'est pas un dollar, mais bon... En même temps, un dollar, ça voudrait dire que tu te fais quand même pas mal. Hein. Si tu fais que ça toute une journée... Enfin, quoi que... Non, une demi-heure, parce que ça... Une demi-heure, c'était payé... Non, une heure, c'était payé 12 ou 13 dollars, donc effectivement, ouais. C'est pas beaucoup, beaucoup. Mais bon, à défaut. Après, il faudrait que j'explore un petit peu plus le côté, ce que l'on peut faire avec le jeu, enfin le serveur du moins. Est-ce qu'on peut, avec un couteau, tailler du bois, des choses comme ça? Moi, j'aurais bien voulu faire des genres de pendentifs qui ne servent à rien, mais qui sont importants. Dick le sorcier, tu sais. Mais je sais pas. Faudrait voir. Parce que je trouve que les cadeaux, c'est cool quand même qu'ils mettent, parce que tu pourrais les revendre après. Enfin, tu peux les revendre. Si ça intéresse des gens. Mais bon. Hop! Voilà pour vous. Faire un papy camelot. Ouais, je pense que ça... En fait, ça lui irait bien. Comme ça, au moins... Ah merde, t'es de l'autre côté. Ah bah... Il tourne mieux en marche arrière qu'en marche avant, hein. Allez! Hop. Ouais, ça serait pas mal de faire un peu de camelot. Enfin, de camelot. Ou camelot. Pareil. Vous m'avez compris, quoi. Moi, je le vois plus là-dedans. Ah, j'ai soif. Ah. Et franchement, je sais pas où je suis. Oulala. 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 Que je puisse m'acheter un couteau, quoi, voir ce que je peux faire, ou chasser avec des trucs. À la chasse, tu dois rapporter de l'argent, certainement, je suppose. À défaut de pas avoir de job. Récompense crime. Bah, en même temps, je fais pas de crime, hein. C'est qui ceux qui regardent là, parce qu'ils disent rien? Hein? Montrez-vous! Montrez-vous! Sinon, je mets de la musique. La musique officielle de Dick Collins. On pourrait, hein.
Elle est pas mal, hein, mine de rien, celle-ci. Oh là là, ça monte haut, là. Ça monte super haut. Oh là 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 là, je sais pas où on va, mais on y va. Faut pas se casser la gueule, hein. Parce que alors là, moi, je suis pas revu, hein. On va où, là? Allez, montez. Ça monte un peu, mais c'est pas grave. Je suis pas trop lourd. J'ai pas mangé de ravioli ou de chicken carnet. Ou cornet. Cornet, c'est mieux. Cornet de bœuf. J'en dis des conneries, hein. Vite-le, hein. Oh, Alexis! Bonjour! Bonjour, les cucounets! Hello! How are you? Comment il va? Ça faisait longtemps. Tu t'es senti visé? Quand je dis, bah alors, ceux qui regardent, levez-vous, dépêchez-vous. C'est ce qu'on aime chez toi. Qu'est-ce qu'on aime? Toutes les conneries que je peux raconter. Oui, ben, je suis désolé, mais... Un peu pas... Non, je pense que, comme Punish ou d'autres, ils aiment bien quand Kiki se casse la gueule, quoi. Hein, regarde. Hein, on peut gruger, là, par contre. Hop. Un petit peu. Oh, ça va, j'ai pas... Pas non plus. Allez, montez. Ça va bien, merci. Bah, tu fais des bisous. Ouais, j'ai plus les jingles, hein, mon petit. Hein. Parce que faudrait que je reparamètre tout. Et tout ce qui s'est passé, derniers événements, incroyable. J'ai plus beaucoup de temps, alors j'essaie de vous en donner un max. Là, on a réussi à se faire un petit mini emploi mode. Enfin, un petit, comment on appelle ça, plage horaire assez libre. Comme ça, je peux streamer le dimanche et le lundi soir. Ah, pop, 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 c'était là. Oui, je regarde en silence, j'aime bien voir tes délires. Ah, oui. Ah, oui. Oui, mais un petit coucou de temps en temps. C'est pas mal. Hein? Ça fait toujours plaisir. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les rediffs. Parce qu'ils peuvent pas. C'est normal. Donc on pense à eux, très fort, pour ceux qui vont regarder celle-ci. Bisous, bisous! Ça, c'est les vrais. Je vous en prie, hein. Pas de quoi. Hop, on va faire une autre livraison. Oula, oula. Oula. Franchement, je découvre le paysage. Hein. Je ne connais pas. Oh, par contre, tu vas un peu vite, mon petit. Et on va se casser la gueule. Doucement, doucement, doucement. Oh là 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 là. Aïe, aïe. Ah, ah, non. Non, non, non. Oui, ben oui. T'as vois bien que... Mais non. Reviens. J'ai un sentiment de... J'ai un sentiment de... De solitude. D'un coup. Je sais pas. Je me sens un peu sale. Oh non. My God, je sais même pas où je suis rendu. Mais crash, oui, vas-y, fais-toi plaisir. Sérieux. Oh non. Heureusement qu'on n'est pas tombé dans le ravin. Bon. Alors là... Ce sont ces conneries-là. Oui, bah oui. Merde. Ah! Et la ville la plus proche?
Bon, je suis pas dans la merde. Bon, ben je vais pas pouvoir livrer jusqu'au bout. C'est un peu fâcheux. Ah, il est là le cheval. J'essaie de monter dessus. Petit, petit. Viens là. C'est juste un petit rocher. Viens là, c'est juste un petit rocher. Y a pas de mal. Hein? Viens là. Bah oui. Alors, faut pas avoir peur. On te ramène à la maison. Oh la chance. Tu seras pas payé pour la livraison, bah. Je ramène le cheval au moins. J'ai de la chance là, pour le coup le cheval il est à côté. On va aller en douceur, hein. Il n'y a pas une autre livraison moins dangereuse que ça. Alors attends. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Doucement, doucement. On va se mettre à un point, hein, parce que... On connaît pas le coin. Ou alors on rentre... Oh non, faut le ramener là-bas. Allez. Bon. On a fait une bonne livraison, hein. On a merdé un peu sur la deuxième. Enfin, la deuxième tournée. J'ai de la chance que le cheval est là. Et que je peux monter dessus. Il a pas de selle, hein, par contre. J'ai mal un peu aux fesses, là. Au derrière. Ça fume beaucoup ici. Ah non, c'est pas par là. Par où je passe là? Kiki, tu vas te chercher un boulot fixe dans le jeu? Je travaille déjà au ranch, mais faut que je vois les Valentin et tout ça pour qu'ils fassent des annonces comme quoi c'est ouvert, mais je suis pas payé. Je suis payé quoi, en gros, à la commission de la vente de verre, quoi. Mais j'aimerais bien. Ce point. Aucune idée. Bouge pas. Hop, je vous ramène le cheval. Il a eu un petit, comment dire, on a eu un petit couac. Hein? D'accord. Bon, je pars en livraison, hein. Tu aimerais bien monter ta société? Ben en fait, j'aimerais qu'il soit Camelot, quoi, comme on disait tout à l'heure. Allez. J'espère qu'on va pas de retour se casser la gueule. Non, être marchand ambulant, quoi, tu vois. Oh, purée.
être marchand ambulant, tu vois, faire des trucs, en gros, je sais pas si c'est ce qui est possible de faire, en fait. J'en ai vraiment aucune idée. Pas envie de faire de la concurrence à d'autres joueurs ou à d'autres sociétés, mais... Vendre des babioles, des trucs comme ça. Que je fais moi-même, par avec du bois. Kaamelott, ça tirait bien. Ouais, je pense. Oh, attends. Bouge pas. J'ai écrasé quelque chose. On va peut-être récupérer le civet. Bouge pas, hein. Dépecé. Vous avez dépecé l'animal. Je vais le ramener. Mais non. Bon, écoute, on laisse le cadavre là. Mon Dieu. Non, j'ai pas mangé, j'ai pas envie d'être malade. T'as la tchatch. Ouais, bah, ouais. Ça, c'est sûr. C'est horrible. Il l'a dépecé. Il a enlevé le pyjama. Bon, alors. Repunish. T'as loupé quelque chose. Je me suis senti un peu seul. Mais j'entendais ton rire déjà. Si, je pense que tu regarderas la rediff à... On va dire à 30 minutes, à 20-25 minutes. On va que tu regardes la rediff à 25 minutes. Il y a eu un petit moment inoubliable, je pense. Même à clipper, je crois, en fait. Il faudrait clipper. Il aurait dû fallu... Vous avez pas clippé ? Oh, bah alors, les kikounets ! J'avais pas un jingle, tu vois, genre de moment de solitude. Mais faudrait que je trouve des trucs comme ça. Faudrait que je reparamètre un peu tout le machin. Là. Donc, voilà. Bien. Alors, par où qu'on passe ? À gauche, là ? En fait, on peut écraser les lapins avec les... C'est bien, ça. Je sais pas si ça rapporte quelque chose, mais... Je sais pas si en direct, tu peux faire marcher en arrière. Ça va venir petit à petit, chaque chose en son temps. De quoi? De quoi? Oula, attends, je regarde n'importe quoi. Ouh là là. J'aime pas trop passer par les montagnes parce que ça sent les gamelles. Le paramétrage. Ah oui. Oui, non, parce qu'en fait, comme il a fallu tout refaire, du coup, il y a eu un petit peu des ennuis avec la partie attaque. Piratage. Tourne. Je vois rien en plus. Enfin, si, on voit quelque chose, mais... Ça sent l'ours. Arrête, non, arrête. Non, c'est bon. Oh, c'est joli, regardez, vu d'ici. Oh, joli. En mode cinéma. Avec la musique. Cette musique, hein, elle est cool. Des collines. Il est où, là?
sent la connerie. Ça sent la grosse connerie. On dirait le générique pour Seul en Alaska. Ah! Ah non, c'est la musique officielle de Kiki, là. Enfin, de Monsieur Dick Collins. C'était bien ce petit passage musical. C'est chaud de diriger en mode cinéma, mais grave. C'est grave chaud. Et qu'on recommence ? On recommence ? Allez, attention. C'est parti. Hop. On essaye. En mode cinéma. Vous avez eu le chemin ? Allez, on y va. C'est parti ! Je vois pas où je vais. Ah, ah non, pas du tout. C'était à droite. On part. Livraison. Avance plus vite, mon petit gars. Ça a failli. Je suis au bon endroit. Merci. Bon allez, on se met en mode normal parce que tout le monde on va être complètement perdu. C'est bien ces petits passages quand même. Franchement, ça, on peut faire des belles petites scènes. Après, je vais voir ce qu'il y a en boucle dans cette musique officielle. Il faut que je vérifie mon auge aussi de boisson. Hein, parce que, mais je pense qu'on va pouvoir faire des bonnes scènes RP sur le Last Threat. Ah, yes. Surtout qu'il y a des très bons joueurs. Donc il y a moyen.
Bon, on n'a toujours pas fait de livraison, on en a fait qu'une en fait. Ah, c'était à gauche. Oh, il y a encore un truc à... C'est chaud les livraisons là. Bon, allez, je fais juste... je finis la livraison, enfin... Je finis la course entière, la tournée, puis après je retourne. On va aller voir un peu de gens quand même. Bip bip, ouais. On est dans des endroits là, je te dis, pas. Enfin, ferme les tours. Non, mais pourquoi il descend toujours à gauche? Car tu peux pas descendre à droite? C'est pas une voiture! Non, mais c'est pas vrai. Non, on n'a pas vu cette connerie. Non, 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 c'est même pas la peine. C'est non, 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 non. On ne la note pas, on ne la clip pas. Non, non, voilà. Voilà, hop, c'était pas la peine. Allez, hop, on finit cette tournée-là, hein, parce que, bon, déjà, la première tournée s'est très bien passée. La deuxième, moins bien. La troisième, c'est un plus détente, quoi. Hein. C'est genre... hein. Voilà, quoi. Bon, allez. Mais je croyais que ça se guidait tout seul en mode cinéma. Mais peut-être pas en livraison, peut-être. Je sais pas. Parce que si je laisse assez le truc... Je suis pas sûr. Pour les passer. Le dick. Il peut aller plus vite le machin ou pas? Faut que j'aille tout droit. Il est gaucher. Ah! Oui, oui, ça va finir en catastrophe. Mais non. Bon, faut pas dire ça. Allez, on va essayer. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, on se met la musique, attendez. Eh, hey, mais ça va tout seul, là, alors, du coup. J'ai rien, là. C'est bien, ça. Ok, d'accord. Il ralentit. Ah, mais je fais rien, c'est bien, ça. Tu sais que tu en fais un minimum une par stream. De quoi? Une connerie. Bah déjà là tout à l'heure. C'est bien, comme ça je peux même faire mes clamps. Enfin ma flamme, pardon. Bienvenue mes petits cucounets, avec Dick Colling, vous allez apprécier le stream. Oh, belle boum. Ok. La précédente, j'ai manqué le pont. Ah oui. Tout seul en fait, c'est bien ça.
Je vais me chercher un café, du coup. Ça fait tout seul. Oula, oula, tu te calmes. Tous les messages, hein, d'un coup. J'arrive. Mais là, grosse catastrophe. J'arrive dans un village là, faut faire gaffe quand même. Voilà. Je vais devoir vous laisser, bon stream, je reviendrai la rediff. Oui, des gros bisous, des gros poutous. Merci, Beurre Jojo. N'empêche, après, ça te permet de connaître un peu les endroits. Hein. Bon, par contre... faut faire demi-tour. Hop. Ça permet de découvrir les endroits. On pensera fort à toi, Bar Jojo. À une prochaine connerie. Une bêtise. Enfin, une boulette. Enfin, quelque chose, quoi. Non, mais j'aimerais bien gagner quand même un peu de sous, m'acheter surtout la fourgue je remonte, les boulasses, et pour que je puisse au moins m'acheter ma charrette, comme ça au moins je suis tranquille, puis après je vais essayer de voir comment je peux faire des choses. En chassant, peut-être qu'il y a des choses à récupérer, je sais plus. Hein, Ah ouais, je voulais choper, mais bon, tant pis. Du coup, en fait, la cinématique, ça va automatiquement à l'endroit. C'est bien, ça. Genre, tu veux... Mais bon, par contre, faut surveiller sa bouffe et sa faim. Puis les gens, s'il y a des gens. Évidemment. Mais franchement, je saurais même pas vous dire où on est. Hein. Aucune idée. À chapeau où on est. Mais alors, pas du tout. Ça vient d'avoir un cheval sauvage. Faut un lasso, faut s'acheter un lasso. Je reste sérieux un petit peu parce que j'ai pas envie de reperdre ma livraison, enfin ma tournée et surtout mon cheval. Ah, on revient là. Arrête-toi. Ça pleut. Ah oui, il m'a enlevé le... Bon, bah du coup, je vais prendre une charrette là. Et je vais rentrer à... Oh, mais alors, j'ai mal à la gorge. À Rhodes. Est-ce qu'on va à Rhodes, là? Oh, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ah, je pourrais aller là, puis aller à... Ah oui, mais non, mais mon âne, il est à Rhodes.
Non, je vais retourner là. Non, là. Là. La prochaine étape, donc, tu vas attraper un cheval sauvage. Oui, c'est ça. Enfin, faut déjà me prêter un lasso. Faudrait que quelqu'un me prête un lasso, au moins le prêter. Oula, ça braque dur, là. C'est où? Ici, on est où? Non, faut aller tout droit. Hâte de voir ça. Oui, moi aussi, j'ai hâte de voir le résultat. Je vais demander à quelqu'un si quelqu'un a pas un lasso pour que je puisse aller. Oh non, pas de crash! Pas à l'endroit! Pas ici! Pas ici! Si! Si! Je vais réapparaître au bon endroit. C'est pas l'heure de la tempête ? Non, je pense pas. Non, c'est affiché normalement. On est à pied jusqu'à... Heureusement qu'on n'est pas parti trop loin. Je cherche à se secouer. À pied. Purée de pommes de terre, je suis à pied. Je la pince. Merde. Faut que je retourne. Il est où le machin là? Il est loin ou pas? Il est là-haut. Oh purée. Oh, Kikutini. Hello. Ah, une charrette, arrêtez-vous. Ah bah attends, on va discuter. Bonjour. Eh bien bonjour. Le cheval s'est barré de la... J'étais en train de faire une livraison, le cheval s'est barré. Ah merde, vous voulez que je vous conduise quelque part? Oui, enfin ça dépend où vous allez. Bah moi je reste dans le coin, je travaille ici de toute façon. Ah oui, vous travaillez ici? Oui, je travaille à la Black Witch pour Monsieur Den. Ah, vous faites quoi? Enfin, sans indiscret, sûr. Producteur de whisky. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
Bon. Monsieur Clark, enchanté. Dick Collin, enchanté. Eh ben, enchanté. Enchanté. Vous voudriez être emmené où? En fait, j'avais pris une charrette de la poste. J'ai fait 2-3 livraisons, sauf que je me suis cassé la gueule dans les montagnes. Et puis ensuite, je me suis dit, je vais reprendre une livraison, mais sauf que je vais rentrer à Rhodes. Je travaille pour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, désolé, je connais pas. La Dame du Lac. La Dame du Lac, connais pas. Ah, mince. Désolé, ça fait pas très longtemps que je suis dans le coin, et puis je suis quelqu'un d'impossibilité, on va dire. Ah oui, moi je comprends. Ouais, le problème de reprendre une livraison, c'est que si vous allez au même bureau de poste, il vous connaît déjà, il sait déjà qu'il vous a passé une charrette, c'est une fois par jour. Ah oui, d'accord. Donc ça marchera pas. Je vais vous conduire, vous inquiétez pas. Ah bah c'est gentil. Vous me laissez juste décharger mon orge et j'arrive. Allez-y, je vous en prie. Bah rentrez au chaud en attendant. Venez. Oh, c'est gentil. Allez. Oh, petit minou. Ouais, on a beaucoup de chats par ici. Ah ouais? Ça me dérange pas, je préfère la compagnie des animaux. Ah oui, je comprends. Bon, dis donc, vous avez un sacré matériel, là. J'ai donné un petit coup de main à la boulangerie, et puis du coup, comme je suis pas souvent là, enfin, je fais beaucoup de siestes, j'ai besoin de siestes lombaires, donc du coup, je veux pas prendre la place de quelqu'un, des fois qu'une personne serait beaucoup plus, comment dire, apte à travailler plus rapidement. Si le whisky vous intéresserait, attendez, j'arrive, je finis de décharger, on va discuter un petit peu. Ça sent fort. Qu'est-ce qui sent fort? Le chat? Bon, allez, là. Ça pèse lourd. Ah, dis donc, c'est cosy chez vous. Ouais, non, bon, ça sert juste de... On vient se bourrer la gueule ici quand on a fini le travail, quoi. Ah, oui. L'alambic. Le chat. Oui, parce que je cherche, comment dire, à vendre mes boulasses. J'ai des boulasses. Je vais essayer de les vendre pour essayer de m'acheter une charrette. D'accord, je vois. Mais bon, du coup, j'essaie de donner un service au colis, enfin au postier. En attendant. J'ai gagné $1,76. Je suis content. Excusez-moi, j'ai remplissé le carnet. La poste, bon. C'est pas forcément ce que je conseille quand on veut se faire un petit peu d'argent. Hein. Ouais, mais bon. Mais bon, c'est toujours quelques dollars, on peut pas cracher dessus. Bon, moi, clairement, je peux... Je travaille comme un acharné depuis 3 jours, ça fait que 3 jours que je suis dans le comté. Donc, Ah oui, ben moi aussi, ça fait pas si longtemps que ça. Je viens de Londres et puis j'ai débarqué là, parce que bon, je cherche aussi des choses, mais comment dire... ça fait pas longtemps non plus. D'accord, bah, je sais que la Black semaine, Witch... Une semaine et demie, je crois, même pas. Je sais que la Black Witch, l'entreprise où je suis là actuellement, recrute. Oui. Sans aucune peur de... Oui, sans contrainte, je veux pas que ça soit des contraintes. Attendez, je vais voir s'il y a des clients. Bonjour. Du comté de la Louisiane, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Mes respects, shérif. Bonjour, ça va vous-même? Bonjour. Ça va, je peux vous aider? Non, faisais un petit tour, est-ce que tout se passe bien? C'est bien gentil de votre part. Bah, ça se passe bien, ouais. Un peu compliqué depuis 8h ce matin, mais on tient le coup. Ah, vous travaillez depuis 8h ce matin? Ah bah, il faut bien produire du whisky pour la bouche avec de Louisiane. Pomme de terre. Ah, mais c'est plein de bonnes choses. Pensez à nous, c'est... Non. C'est bien normal. Vous vouez votre vie à notre protection. Et bah, je vous la mienne à votre confort, on va dire. Eh bah, si tout le monde pouvait penser comme vous, pensez-en. Alors, je vois rien dans le noir, mais je dirais que c'est... un monsieur qui s'appelle Monsieur Clark, qui parle, non? Oui, et vous devez être la dame que j'ai croisée. Je suis désolé, j'ai oublié votre nom. La shérif que j'ai croisée à la poste. Ouais, c'est à la poste. Je me disais bien. Miss comment encore? Joe, très bien. J'essaierai de m'en souvenir cette fois-ci. Oh non, mais il n'y a pas de souci, c'est pas une obligation. Ah non, mais c'est juste que là, en 3 jours, depuis mon arrivée, j'ai croisé tellement de personnes, tellement de noms différents que c'est un peu compliqué pour tous se les remémorer. Oui, je comprends bien. Tout se passe bien pour vous?
Oui, et vous, pas eu de tracas aujourd'hui? Pas de gens venus vous embêter? Non. Monsieur Den m'avait dit que c'était possiblement. Pouvait possiblement arriver en ce moment. Pour l'instant, j'ai pas été embêté toute la journée. J'ai vu seulement des chars de la poste qui passaient. Mais ouais. rien de bien particulier. Ouais, bah tant mieux. Elle est bonne. Ah, bah oui, je vais pas me plaindre, moi, clairement. Vaut mieux dans le sens, ça. Je vous aurais bien payé quelque chose, mais le whisky est en train de vieillir dans les fûts et pour l'instant, il n'est pas encore prêt à être mis en bouteille. Je suis désolé. Hein. Mais non, vous excusez pas. On n'est pas là pour ça. On était là pour s'assurer que tout se passe bien. Non, mais même si vous n'êtes pas là pour ça, moi, c'est clairement avec grand plaisir que je vous aurais offert un petit verre avant de repartir. Surtout vu le temps qu'il fait en ce moment, c'est important de rester au chaud. C'est vrai. Mais c'est aimable de votre part. On vous en remercie. Ah bah, c'est bien normal. C'est agréable. Écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps. Merci. Ah, mais vous ne me dérangez absolument jamais. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous, n'hésitez pas, vous venez me voir, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous voulez pas être chéri, vous? Je ne me prononce pas pour le moment. D'accord, très bien. On va dire que j'ai possiblement mon petit frère qui cherche à... qui essaye de m'en convaincre pour qu'on... Siffle, pourquoi ? Bref, on en parlera plus tard. Eh ben, n'hésitez pas. Harry Grimms, envoyez directement un courrier, c'est avec plaisir. Eh ben, mais restez, monsieur Grimms, et puis je vous promets qu'une fois que mon petit frère sera dans le comté, on prendra le temps de discuter autour d'un bon verre de whisky. Eh ben, avec grand plaisir. Avec vos adjoints aussi, bien sûr. Hein. Ouais, avec grand plaisir, vous inquiétez pas. Passez une bonne journée, messieurs. Et faites attention à vous. Bon courage. Que Dieu vous garde. Oui, que Dieu vous garde. Et bonjour. Bonne journée. Bonne journée. Franchement, ultra aimable, ce shérif. J'ai rien à leur reprocher. Mais c'était pas. Il n'y avait pas monsieur Jackson? Je connais pas les noms. Je suis désolé, ça fait trop peu de temps que je suis arrivé. Ouais, pas de soucis. Donc, comme je disais, la Blackwood recrute sans contrainte de quota, sans contrainte de temps de présence, oui. Sans contrainte de prendre la place de quelqu'un qui travaille pas plus, parce qu'on a des places. Oui. Donc, si vous voulez travailler que 30 minutes par jour, ou alors un jour travailler 2 heures, le lendemain pas travailler du tout, Monsieur Den, je pense, sera ravi de vous accueillir pour un salaire qui est quand même assez attractif. Bon, bien sûr, le salaire est proportionnel au rendement, forcément. Oui, bien sûr. Forcément. Bon, là, pour vous dire, moi, aujourd'hui, là, je travaille depuis 8 heures. Je pense que sur cette journée entière, je vais me faire un beau pactole. Mais sur une livraison totale, ouais, je vais vous faire une livraison qui dure, je dirais, 15-20 minutes. Ouais. Je vais vous faire, je dirais, 5-6 dollars. Ah oui, quand même. Oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait la licence. Non, clairement pas. C'est un bon boulot. Monsieur Den est quelqu'un de... Il est un peu comme moi, je pense, c'est aussi pour ça que je me suis dirigé vers lui pour travailler. Il est un peu brut de coffre, ah oui. Un peu solitaire sur les bords, on n'aime pas trop la ville tous les deux. Ah oui. Donc voilà. Bien, mais j'en prends note, mais enfin, pas tout chez lui dans de beau, que M. Dick Collins cherche un petit boulot de production, parce que je peux faire du service à côté avec Mme Marie-Madeleine, mais après la production, pourquoi pas, hein. Si je peux donner à la limite un coup de main, à la limite, c'est pas grave. Ce serait de la production, et pourquoi pas de temps en temps du service pour la vente au particulier. Oui. Ah oui, je prends note. Eh bien, très bien. Eh ben, n'hésitez pas si jamais l'idée, après avoir parlé à votre dame, si l'idée vous convient, n'hésitez pas à envoyer un courrier à monsieur Clarence Den. Ouais. Hop, je vous laisse monter avec moi. Ouais, chouette. Et où est-ce que je vous emmène, mon brave? Voilà. Si vous pouvez me déposer à Rhodes. Rhodes, aucun problème. Aucun problème. Tac. Alors, laissez-moi regarder ma carte. J'ai encore un peu de mal. Surtout en charrette. C'est plus facile en cheval. Il n'y a pas besoin de se soucier des routes. Ah oui, avec une charrette, c'est un peu plus compliqué. Ouais, surtout les charrettes de l'entreprise. On n'a pas mis longtemps pour rencontrer du monde, hein. En fait, à part mes conneries que j'ai fait. Ah, vous voyez, il y a la charrette. Mais il n'y a pas le cheval. Bah, moi, je veux le cheval, bizarrement. Ah oui? Oui. Attendez, je vais essayer quelque chose.
Alors, voyons voir. Ouais, pour moi, tout est correct. Ah oui. Je dois être fatigué. Eh ben, c'est pas grave. Je vais vous emmener quand même, il n'y a pas de problème. Je... Vous n'oublierez pas d'envoyer un courrier à la poste pour leur dire que je rapatrie leur cheval. Oui, je leur dirai. Voilà, comme ça, ils sauront que leur cheval est en sécurité. Ben, c'est-à-dire que j'en ai perdu un tout à l'heure, je l'ai ramené à la poste. Oui. Et puis du coup, j'ai repris une... pour continuer la livraison. Et puis, ben, du coup, voilà, j'ai eu un mat de crâne et voilà. D'accord, je vois. Je sais pas combien de temps ça va durer, cette neige, hein. Oh là là. Oh, c'est infernal, j'en ai marre. Moi qui viens de l'Illinois, j'en peux plus de ce temps. Ah oui. Mais t'es dit, je viens de Londres, et ben voilà, ben, après la pluie, la neige. Oui. Moi que j'essaie de me trouver une petite charrette, là. J'avais vu ça avec, justement, avec Marie-Madeleine. On avait trouvé une, mais il faut donner quand même 180$. Ah, les charrettes, c'est hors de prix. Ah c'est... oui. Mais j'ai des boulasses et apparemment ça vaut une petite somme d'argent. Oh, j'en ai une cuisse, je sais même pas ce que c'est. C'est des boules, des boboules avec une corde. Puis, ça sert à quoi? Faut jeter ces boboules sur quelqu'un. Voilà. Et puis d'accord. Il est aussi sonné. D'accord. Et apparemment oui, c'est assez recherché. Ah ouais, j'imagine bien les utilisations qu'on peut en faire. Oui. Ah mais j'en avais 10, j'en ai ben, utilisé une, mais pas avec madame. J'ai utilisé sur Monsieur Valentin. Bon, après, ce que vous faites avec madame ne me regarde absolument pas. Hein, ah oui, pas de souci. Si jamais vous voulez vous amuser à la saucissonner ou quoi que ce soit, hein, c'est, oui. C'est pour moi que ça va déranger. Hein. Des sous-entendus difficiles. Pas difficile non, mais... Et vous vous plaisez bien, là? Dans ce oui, comté-là? Plutôt, après, c'est vrai que mon cœur... Pour avoir visité un petit peu les trois, mon cœur balance plus vers la plaine Sivaniou ou le Tex-Mex. Ah, oui. J'ai dû aller une fois. Ben oui, si vous aimez plus ce côté solitude, enfin plutôt sans trop de ville. C'est ça. Saint-Denis est en train de se faire gangréner par l'industrie et oh là là, l'optimisation. Oui, c'est même un peu trop pollué, je dirais. Ça sent. Ah, c'est irrespirable. À travers, pourquoi c'est une zone marécageuse comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu. Pourquoi est-ce que les chevaux sauvages ont fui cette région? Oui. Bon, après, il y a plein de crocodiles, hein, je crois. Des caïmans. Ouais, c'est ouais, pas quoi, des, mais... ouais, des alligators. Qui alligators, oui. Saloperie de bestiole. Hein. Ah oui, ben mon âne Gasper, il voulait pas avancer sur le pont parce qu'il y avait du bruit. Ben c'était ah, ouais, tout ça. Ouais, oui. Je vous dépose un endroit en particulier dans Rhodes? Ah non, ben c'est bon, là, ça ira. C'est très gentil de votre part, en tout cas. Bah, y'a pas de problème, c'est normal. Et vous êtes monsieur Maddy? Attendez. Monsieur Clark. Clark, oui, voilà. Bon, tout comme merci bien, monsieur Clark. Eh ben, y'a pas de problème. N'hésitez pas, hein, la Black Witch recrute. Oui, j'en tiens note. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée, et à bientôt, et bonjour. J'ai dépassé un truc là. Est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou pas? Dépassez votre viande. Je sais pas. Ah non, c'est de la peau. Préparez vos viandes. Vous achetez pas la peau? Je vends de la peau pas cher. Pour faire un bonnet. Faire des moufles. Là, ici, peut-être.
appuyer sur entrée. Reviens à quelque chose d'intéressant. Bah, j'ai de la peau. On s'en veut pas. Bon, bah, je vais reprendre mon âne. Pas forcément, remarque, tu me diras, je vais aller au saloon. Enfin, au restaurant maintenant, c'est devenu un restaurant, il me semble. Bon, ça va? Bien? Bon, très bien, moi aussi. C'est quoi ce truc qui pendouille là? J'ai jamais fait attention qu'il y avait des trucs. C'est quoi ce truc là-haut là? J'ai jamais fait attention qu'il y avait une perche. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Hein? C'était en réparation? On voit? Bon, je sais même plus. En fait, on dirait un bateau. Non? Un petit peu. Ça fait un peu bateau. Bon, je sais pas s'il y a du monde. Hein. Manque la roue. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est fermé, y'a personne. Bon, j'ai les clés, hein, mais... Bon, j'ai gagné 1 dollar, je sais pas combien. 1,76 $. Bon, bah, je vais récupérer mon âne. Je sais pas si on peut revendre l'âne. Ah non, un cheval, ça coûte une fortune. Oula, y'a du monde, là. Un cours. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe quoi là? Pauvre Anne, tu pourrais le garder avec tout ce que tu lui as fait subir. Ouais. Ok, d'accord. Bon, et ben on s'en va, hein. Sauf si tu captures ton cheval. Oui, mais pour ça, faut un lasso. Un lasso, je sais pas combien ça coûte. C'est ça le truc. Je sais pas combien ça coûte un lasso. Tu gaspères. Ah, mon petit Gaspère. Merde, pourquoi je descends? On peut pas te dire, moi je sais que c'est 30 dollars. Oh, purée, j'ai même pas 30 dollars, j'ai 1 dollar vite, tu sais, je vais pas aller loin. Alors, du coup, le comté là, il est fait comment? Parce qu'on vient de là. Oula. On fait un échange. De quoi? Un âne contre un cheval? Oui. Je vais attendre le monsieur. On va lui demander des renseignements.
Boulas contre l'as. Ah, non, 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 des boulas, ça vaut de l'argent, en fait. Ça vaut pas mal d'argent. Donc on va pas faire la connerie de les vendre. De les échanger. Non, non, moi, il me faut une charrette, au pire. Boulas contre charrette, ouais. Ah, ben j'ai la gorge... T'es pas obligé de faire caca là, Gasper, en plein milieu du passage. Je vais aller à... Un peu plus bas, vous savez, là, à Blackwater. Je vais aller là-bas. On va faire ça. Ça sera plus simple. Et là, il est occupé, le garçon. Tac. Je vais aller là-bas. Black. Quoi que tu me diras, j'ai jamais été à. À tombe machin. Si. Il y a quoi là-bas? Bonjour! Un little guerrier. Comment? Tu dis quoi? Je disais bonjour! Oui, je te disais un little. Ah, pardon. Je peux t'aider? Oui, peut-être. Dis-moi donc, est-ce que tu sais combien ça coûte un petit lasso ou quelqu'un aurait un petit lasso que je puisse au moins me capturer un petit cheval? Parce que là, Gasper, il est gentil, mais il avance pas bien vite. Un petit lasso, je dirais 20 dollars, oui. Ah alors, oui, quand même. 20-25, oui. Ah, purée de pommes de terre. Ah oui, effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Alito, je pense que vaut mieux pour vous si c'est ce que vous recherchez de trouver oui. Travail, oui. Oui, oui, oui. Moi, je travaille pour Marie-Madeleine. Vous c'est... connaissez? Non. La Dame enfin... du Lac. J'ai déjà entendu, mais je sais pas qui c'est. C'est la elle propriétaire fait quoi dans la vie? Chant de sirène. Tu dois être, comment ça s'appelait? Celui qui sert aux deux feux, oui, non? Hein? Tu es celui qui sert aux deux feux à Chant du Lac, ouais. Chant des sirènes. Oui. Ah, d'accord. Oui, oui. Pour l'assaut, tu peux acheter en armurerie ou à magasin, là. Ah oui, comment... mais ça coûte 20 dollars. Oui. Ah, purée enfin, de en magasin, ça coûte 25, en armurerie, 20, je crois. Oh, purée de pommes de terre, encore plus cher. Et ça dépend le prix du magasin, parce que des fois, il y en a qui font ça cher, parce que c'est un peu rare en ce moment, oui. Ah oui. Mais faudrait que je vende mes boulas. Tu vas voir boulas? Oui, je vais vendre des boulas. Tu en as combien? 9. Laisse-moi réfléchir. Ah bah oui, vas-y, je t'en prie. C'est surtout que je veux m'investir dans une charrette. Tu as une idée du prix auquel tu veux vendre tes bolas? Alors, j'ai cru entendre par... je crois que les shérifs étaient intéressés, mais je les ai pas vus depuis. Mais ils voulaient mettre 300 dollars. Oui. Non, non, moi je paye pas 300 dollars pour bolas. Hein. Ah bah oui, bah, je sais pas. J'en ai aucune idée, mon petit. Combien je pourrais te proposer? Faut que je voie avec l'armurerie. Mais j'ai cru voir... Mais guerrier, je te propose... Oui. Au moins, je t'en achète... 2. Oui. Attends, est-ce qu'on peut aller voir banque combien j'ai de... De billets vers, oui. Vers banque, oui. Allez, Gasper, avance. Regarde. Oui. Guerrier, si tu veux, petite astuce. Hein. Oui. Entre nous. Hein. Oui. Tu vois le destrier beige derrière. Oui. Tu le prends et puis tu le reposes quand t'as fini avec. Hein, et, ni vu ni connu, guerrier. Ouais, ouais, bah. Ouais, mais je veux pour faire ça. Ouais. Je suis quelqu'un d'honnête. Bah, je comprends, oui. Ouais. Besoin de service, je suis là. Besoin de conseil, je suis là.
besoin d'autre chose? Je suis toujours là. Je suis une tombe par moment. Une tombe? Ouais, ouais, ouais. Je suis pas loin de la tombe. Bonjour. Bonjour. Je peux déposer de l'argent? $1. Voilà. Alors. Je suis riche. Je suis $1. Hello. En fait, tout dépend de à quel prix tu veux vendre tes trucs, oui. Ah, ben ça, je sais pas. Il est où? Parce que pour moi, ben là, c'est un petit bout de corde, donc je mettrais, je sais pas, maximum $5 par bolas. Hein. Ah oui. Ah oui, non, 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 non. Bah oui, mais guerrier... Shérif, te dire $300 pour 9 bolas, ça va être un peu fou. Hein. À quel moment des bolas guerriers se coûtaient $300 9? Ah, j'en ai aucune idée. C'est ce qu'on a entendu dire. Il est où? Bon. Non, mais combien c'est pas grave. T'inquiète donc pas, il n'y a pas de souci. Si, si, mais moi je veux tes bolas. Donc, ah mince. T'es où? Je te vois plus. Ah, tu me vois pas? Ah non! Bouge pas, je reviens. Je dois avoir mal à la tête. Ah, oh, une petite fleur. Je me cache-cache, oui, un petit peu, oui. Faut que je me souvienne de mes pauses. Bon, ça va les geekounets? Bonjour. Bon, c'est la même personne tout à l'heure. Oui, toi. Oui, moi ça va. Ça va, ça va. Je vais pas rester derrière ça parce que je vais manger un coup de savon. Ça va, mon petit Gasper? T'es pas content? L'âne, la neige, oui, je sais. Attends, je bois un coup. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Dick Colin, pour vous servir. Dites-moi donc, vous savez, vous savez à peu près que je pourrais combien vendre des boulas? Des boulas? Le monsieur va m'en acheter, mais... Mais je ne sais pas ce que c'est.
Ben, ce sont des boboles avec une corde, puis ça attrape quelqu'un, et puis vous le saucissonnez. Oh, comme un lasso. Oui, sauf que c'est utilisable une fois. Ah. Enfin, du moins, un coup que vous avez saucissonné quelqu'un, il faut que la personne se détache, quoi. Et du coup, ben, parce qu'il faut l'argent rapidement? Non, pas du tout, pas du tout. C'est que j'essaie de sonder un petit peu pour savoir comment je peux vendre ça. Alors, si vous voulez vous renseigner, mais je ne sais pas si c'est ouvert, il y a la mairie qui se trouve juste en face. Peut-être qu'ils pourront vous renseigner. Ah oui, il n'y a personne pour le moment. Eh oui, c'est pour ça. Oui. Enfin, toutefois, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me le dire. Dick Collins. Dick Collins. Ok, enchanté. Miss Hayley Morgan. Ah. Eh bien, écoutez, merci en tout cas. Oh. Pas de rien. Bonne soirée, monsieur. Je retourne à mon champ. Oui, et bonjour. À plus tard, guerrière. À plus tard. Alors, du coup. Du coup, guerrier, oui. En fait, le problème, oui. Je t'explique. Des bolasses, elles sont bien belles, j'aime bien. Oui. Tout ça, oui. Mais quand tu lances la bolasse, oui. Elle se use après. Et oui. C'est difficile de la réutiliser, tu comprends? Oui. Donc, je peux pas te proposer plus de. Allez. Plus de. 50 dollars pour tes 9 bolasses. Ah, ouais, non. Ouais, en tout cas, c'est gentil. Pourquoi? Non. Ah non, faut que je fasse un tarif. En fait, tu vois, c'est qu'il faut que je m'achète une charrette. Oui. Et puis quand je me suis renseigné, oui, mais... eh ben, écoutez, ils m'ont dit que bah, ça vaut au moins 300 dollars les 10. Alors moi, j'en mais ai pas qui, 10. Mais qui t'a dit que ça valait 300 dollars? Alors, c'était quand on était au salon, alors à moins qu'ils avaient trop bu. Mais regarde, guerrier, je vais t'expliquer. Oui, dis-moi un donc. Truc. Regarde l'asso. L'asso sert à la même chose que Bolas. Ah peu oui. Près, on va dire. Ça coûte 25 dollars le lasso, alors que le lasso, lui, ne se use pas. Après, la corde, des fois, elle peut se user si il y a quelqu'un qui a utilisé couteau dessus, tout ça. Mais elle se use pas. Ouais. Alors que Bolas, une fois jeté, guerrier, bah, en fait, y a le nœud, il est trop serré, en fait. Ah donc, oui, t'es obligé d'arracher. T'es obligé d'arracher, et après, tu as plus la bolasse que tu as lancée. Donc, je peux pas te payer quelque chose, guerrier, qui se use, alors que j'ai l'asso, tu vois. Oui. Je comprends, je comprends. Sois raisonnable, guerrier. C'est pas parce que tu dois acheter une charrette que tu es obligé de faire payer un âne à 300 dollars, quoi. Ah oui, non, bah bien sûr, heureusement, il manquerait plus que ça. Je me pose que j'en ferai de mon petit Gaspard. Je vais pas le vendre. Oh là là, surtout pas. Allez, tu veux bien me vendre quand même tes bolasses? Bah, je vais réfléchir. Bah, je te donne mon nom, guerrier. Si toi, être intéressé, tu m'envoies lettre. Oui. À qui? C'est à moi. Oui. Tytyee. Oui. Aonata. Awnata. Ah, c'est quelle d'origine, ça? Native guerrier. Ah, d'accord. Très bien, je note. En tout cas, merci de ton accueil. Eh ben, je vais... Au pire, vous pouvez m'envoyer un message, si vous le souhaitez. Je pense... Tu préfères que je t'envoie lettre comme ça tu as mon nom parce que le mien est un peu compliqué je crois. J'ai l'impression, oui. Vas-y, dis-moi ton nom, oui. Dick Collins. Dick, D-I-C-K. Et Collins, C-O-L-2-E-N. Un L ou deux N? Un seul deux L. L. Deux E et un N. Collins. D-I-C-K. Oui. C-O-L-E-E-N. Oui, bravo, c'est ça. D'accord, c'est noté, guerrier. Là, je vais t'envoyer une lettre avec mon nom, tout ça, et si jamais tu es intéressé par ma proposition, je réfléchirai avec un de mes amis si je peux te proposer plus. Oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence. Et on verra bien. Au moins, j'en ai, en tout cas. Bon, je te laisse, guerrier. Oui, bonne chance courage. À toi. Oui, et bon bonjour. Grand esprit sur toi, oui. Salut Titi! Bon, il me propose 50 dollars. On va sonder, hein, de toute façon. Hein. Il faut. On va sonder, voir comment ça se passe, quoi.
en sachant que c'est utilisable qu'une unique. Ouais, mais je sais. Je sais pas si on peut voir à la boutique. Bonjour. Entrez. Well, hello. Alors, combien ça se vend? C'est où là-dedans? Location de cible, munitions. Ouais, on peut pas cliquer dessus? Ah non, c'est téléphone. D'accord. Fongming. Ah, on n'a pas les tarifs. En tout cas, pour une utilisation unique et que le lasso, non, il est très insistant pour les avoir. Ouais, c'est ça qui me... Parce qu'à mon avis, ça doit... Parce que quand je l'ai testé, ça tâche bien. Hein. Je pense que tu peux viser plus facilement. Je sais pas. Je trouve... ouais. T'as raison, Punish. Faut que je vois si l'armurier il veut me les acheter aussi. Enfin les reprendre ou à combien il va me dire combien je peux les revendre. Allez. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, petit toutou? Il y a plein de chevaux ici. Cours après le haut. Eh, hey, tu vas te calmer, mon petit, là. Pauvre Gaspard. C'est quoi le problème, là? T'aimes pas Gaspard? Hein? Attends, bouge pas. Viens là, mon petit. Viens. Viens, petit. Viens. Tu veux chercher un caillou? Un bâton? T'es content? Ça ne doute pas à 300$, mais je dirais bien pas loin de 10-15$ l'unité. Ouais, non, je pense, ouais. Et on avait entendu parler de 80$. Donc... dans l'autre comté, ils les vendent 80$, je crois. C'est pas un peu abusé? Non, les 10, bolas, 80. Ouais. Ouais, enfin bon, après... Bonjour. Yes, of course, et vous, and you. Et vous. Good. On peut... C'est pourquoi ça brille, ça? On peut ramasser le pelo? Hello. How are you? Ok. Pardon? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Vous avez chaud? Très bien. Mais si jamais tu changes de... Non, j'ai pas envie de vraiment... Enfin... comment dire? Je suis déjà un peu pris, quoi. Enfin, pris. Oui. Mais vous avez chaud ou... Non, je n'ai pas besoin de réconfort. Non, ça ira, merci. Bon. J'ai fermé, hein. Ouais. Mmh.
C'est à qui ce cheval? Allez, mon petit. J'irai bien là-bas, comme je disais, à Blackwood. Avant, je vais remplir ma gourde. Vous avez reçu du courrier? Ah. Attends, bouge pas, je vais chercher à boire. Ouais, doucement. Et attention à la barrière. Oh, respect. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien, vous-même? Oui, ça va. Dick Colling, pour vous servir. Enchantée, Rosie Holt. Bonjour, Madame Holt. Mademoiselle, peut-être? Miss, oui. Ah, Miss. Miss Holt. Exactement. Ah, enchantée. De même, Monsieur Colling. Mais Monsieur Colling, vous travaillez pas à la boulangerie? J'ai travaillé un petit peu, j'ai donné un coup de pouce. Et puis, du moins, je voulais pas prendre la place de quelqu'un parce que moi, je fais souvent des siestes lombaires. D'accord. Donc, je veux pas, je pourrais pas respecter les quotas qui sont demandés. Oui, je comprends. Malheureusement. J'ai cru entendre votre nom à la boulangerie. Oui. J'ai travaillé une petite journée, puis j'avais retravaillé d'autres fois, mais j'ai rien demandé. Si vous voulez, j'ai fait ça gratuitement. D'accord. Ils sont très aimables, ça c'est pas le souci, mais je voulais pas non plus les imputer dans leur travail. Je peux comprendre, oui. Et c'est tout à votre honneur. Merci. Du coup, je travaille pour Marie-Madeleine. Ah, je ne connais pas. Le chant des sirènes, vous ne connaissez pas? Si, je connais de nom, mais je ne connaissais pas le nom Marie-Madeleine. Dame du lac. Ah oui, là ça me parle un peu plus. Voilà. Ah, c'est peut-être pour les intimes, Marie-Madeleine. Oui, je pense. Oui. Dites-moi donc, j'ai une question. Dites-moi. Vous savez combien je pourrais vendre des boulasses? Aucunement, mais vous pouvez vous rapprocher de la famille Ming et de l'armurerie. Oui, bah, tout le monde m'a dit ça, évidemment. À chaque fois, j'ai ça. Non, mais c'est que j'essaie de les vendre, mais je veux pas me faire avoir. Je peux comprendre, mais ils sont plutôt raisonnables et honnêtes. Parce que j'ai un monsieur qui voulait me les acheter, mais impérativement, pour $50. Et je trouve ça, vous voyez ce que je dis, impérativement, enfin... Ah, je me rends pas compte du tout du prix. Oui, moi non plus. Nous sommes deux, alors. Oui, voilà. Alors, j'ai reçu deux courriers, monsieur. Ah oui, beaucoup de lettres, là. Oh là là, il y a plein de... Oh, ben, trois courriers, dis donc. Ah oui. C'est que j'ai du bon. Oui, apparemment. Alors, je vais m'asseoir et je vais lire ça tranquillement. Ah, non, on peut pas s'asseoir. C'est pas la fonction pour s'asseoir. Comment on fait pour lire son courrier? Alors... Bonsoir, Monsieur Colling. Comme vous le savez, lors de votre recrutement, un quota est instauré ces derniers et une 880 la semaine passée, ça n'a pas été atteint. Ce quota est-il trop dur à atteindre pour vous? Oui. Communiquez-moi vos disponibilités afin que l'on puisse en discuter. Par ailleurs, je n'ai pas votre numéro de compte. Merci de m'accueillir. Ah. Et après, on peut les relire ou pas les lettres? Bonjour, je souhaite vous proposer une sortie de chasse à l'arc.
afin de passer un moment tous ensemble. Je vous propose de faire ça après le jugement de ce soir. Oh, ça date de quand? Ils mettent pas les dates. Du coup, l'horaire n'est pas encore défini. Tout dépendra du temps passé au jugement. Pour les motiver, merci de m'envoyer. D'accord, c'était un truc groupé. C'est Tionaza, le guerrier, qui est intéressé par Bolas. Oui, si tu es intéressé par mon offre, n'hésite pas à me contacter. D'accord. Si, en haut, au niveau du timbre. Hein? Ah, pour la date? Ah, le 6. On est le 8. C'est un peu tard. Oui, je l'ai un peu... Je l'ai lu un peu tard. Bon. C'est très charmant, ce qui me caille. Attendez, je vais aller... Je reviens. Mais voilà, mais voilà. Le 6 c'était lundi. Bah oui. Ça me rappelle un peu GTA. De quoi? Pourquoi tu dis ça, Punish? Pourquoi ça rappellerait GTA? Ah, par contre. Comment on enlève 28 courriers postaux? Tu avais des problèmes si tu les ouvres. Ah, mais non, je vais les jeter, moi. Pourquoi j'ai des courriers postaux là? Monsieur, je vous souhaite une bien bonne journée. Oui, ben vous aussi. Je vous remercie. Oui. Et bonjour. Les lettres, ça fait comme les textos sur GTA. Ah. J'ai plus de lettres? Bon. Ouais, que j'envoie un courrier à Marie-Madeleine. Oh, Gasper, arrête de... Oh, tu fais n'importe quoi. Bonjour. Bien, bonjour. Bon, alors si le shérif est dans le coin. Est-ce qu'on va jamais partir à Blackwood? Bonjour. Rebonjour, monsieur. Ah, pardon. Il n'y a pas de mal. Miss Holt. Je veux dire bonjour à tout le monde. Ah, il y a une calèche. Il y a peut-être quelqu'un. Ah, il n'y a plus de calèche. Oui, râle pas comme ça. Docteur. Mais non, c'est pas le docteur que je voulais voir. C'est le shérif. Tu deviens trop lourd pour lui. Oh, Jean. Oui, ben j'ai bien mangé, je sais. Manger de la tarte. Y a-t-il quelqu'un? Monsieur le shérif? Ah, oh, ça pleut encore. Elle était bonne au moins? Oui. J'ai 3 déchets organiques, donc de la merde. Bon, eh ben on va aller voir à... Alors, on s'appelait en plus. À Blackwater. On va aller... Ici.
Attention pour monsieur. Il est ouvert. Casper n'a pas fini de râler. Ah bah tu m'étonnes. Bah comme Dick hein, en fait. Alors, un peu d'eau. Vous êtes méchants. Les deux font la paire, oui. Oh, sacré temps. Ah, c'est bien, il va pouvoir faire la route. Eh, on se met la petite musique. Allez, la musique officielle pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Et merci à ceux qui regardent la rediff, parce qu'on pense à vous très fort. C'est sûr que avec un âne, c'est pas. C'est pas ça! Mais bon, à défaut. Plus tard. Non, mais j'aime beaucoup la musique qui a été choisie. Elle est très très bien. Donc, voilà. Ça correspond tout à fait à Dick Collins. Et puis pour d'autres scènes après, ça sera bien. Parce qu'évidemment, on aura certainement des scènes un peu plus... que casse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là... on n'est pas rendu, hein. C'est vrai qu'on va pas vite avec un âne. Ça fait pas du tout le même effet en âne. Oui, c'est... Oui, c'est... Il faudrait partir sur autre chose, quoi. Hein. Mais par contre, j'aimerais bien, vous savez, trouver... parce que j'utilise le lecteur média de Windows. Et je sais pas sur PC, parce que sur Mac, on a un lecteur qui est une boucle propre...
C'est-à-dire que quand, en fait, quand tu mets en boucle un sample, ou une boucle, tout court, il n'y a pas de coupure de son. Tandis que le lecteur média, t'as beau mettre en répétition en fait une boucle, et le problème c'est qu'il y a une coupure, il n'y a pas un espèce de fondu. Et je sais pas ce que je pourrais utiliser, je sais plus, soit VLC, mais je crois pas, ou ça fait une lecture un peu à la noix. Je sais plus quel lecteur, ou alors il faudrait que je remette iTunes sur le PC, je pense, pour avoir une boucle propre en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, regardez, si je vous fais une boucle comme ça, vous allez entendre la coupure. La coupure si on fait attendez ça va non ça en boucle si vous écoutez bien la boucle on va entendre la cassure. Avoir une un lecteur qui ne casse pas les boucles. Ouais, il y a un petit coup, ouais, t'as l'impression que c'est une connexion qui merde, mais en fait non, c'est vraiment la boucle. C'est un peu con, donc je pense qu'il faut utiliser un autre lecteur. Enfin bon, bref, voilà. C'est juste une parenthèse. Hein. Parce que, de toute façon, là, on va à bloc machin. Ouais, y a une trotte hein, quand même. Il avance pas bien vite en plus. Machin. Ah si, je peux accélérer encore un peu. Je sais plus quel lecteur média qui. Je sais pas si VLC ça ira mieux. Ouais, je sais pas non plus. Ou soit il faut que j'installe iTunes, comme je disais. iTunes sur le PC. Pour que ça soit vraiment propre, un fondu propre. Parce que là, ça assure pas mal. Quand c'est tout bas, tout fin, ça va. Mais tu vois, pour des scènes un peu qui va s'annoncer ou pas, c'est bien d'avoir un fond de temps en temps pour apporter vraiment un soutien à la scène, quoi. Parce que c'est vrai qu'une musique fait tout, hein. Habille toute une scène, hein. Un film ou n'importe quoi. Bonjour! Alors, est-ce qu'il y en a qui ont vu la scène avec justement Marie-Madeleine sur le lac, sur la barque? Parce qu'elle était cocasse, hein, cette scène. Le pauvre à moitié dans l'eau. J'ai les bottes tout trempées. Bravo, Gasper. Oui, mais t'étais présent. Hein. Alors pour ceux qui ont regardé la rediff, ou qui regardent la rediff, ou qui vont regarder la rediff, ou qui veulent regarder une rediff, il faudra regarder à 24 minutes du début du stream. Ou mettez-vous à 20 minutes et regardez. Je fais encore une connerie. S'il y avait que sur la marque, c'était cocasse. C'est dur du RP. Sérieux, quand tu vois ça. Oh, tout de suite. Ben moi c'est sérieux, hein, c'est toujours sérieux, hein, sauf que c'est toujours de l'impro, quoi. Ah, salut Clément. Et salutations. Ben si. C'est toujours sérieux ce que je fais. Par contre, je sais pas où il va. Toujours sérieux, oui. Ender. Ben oui.
Hop, encore dans l'eau. Ah, je suis encore tout trempé. Comment qu'il passe? Arrête de râler. Par contre, je vais regarder ma jauge, là. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Oula. Attends, j'ai Windows qui se met en branle, là. Trop de chien. C'est ça, vous avez entendu? Il y a un camp là-haut, là. Je sais pas ce que c'est. Mais par où il passe, là? Il fait sa ville, là. Là, non. Tu fais bien ce que tu veux, là. Je l'ai en tête, cette musique, c'est un truc de fou. Oh, du calme, du calme, du calme, du calme. Ah, tu l'as en tête aussi, Punish? Ouais, mais allez, cool. Cool. Moi, je vais pas la remettre à toutes les toutes les autres, parce qu'on va vite s'enlacer. Ah, alors, on arrive. On arrive, on arrive. Qu'est-ce qu'il est beau, ce chat. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans le stream, mais c'est vrai qu'il est beau. C'est vrai que je suis pas retourné sur GTA, mais je pense que ça doit faire bizarre quand il retourne. Arrivé à bon port, oui. C'est là la boutique, hein, il me semble. Hop, tu bouges pas d'ici. Oh, puis la crotte est partout. Bonjour. Bonjour. Good morning. Oui, vraiment. Yes, yes, yes. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter? Un petit ping. Lanterne. Ah, une lanterne, ça coûte 3$. Purée de pommes de terre. Porte-cigarette, 1,9$. Une guitare, harmonica. Ça coûte tout cher, tout ça. J'ai pas assez de sous. 60 cents. J'ai 1$ sur mes comptes. Je le garde. Moi, j'aimerais bien RDR, mais j'ai plus de place sur mon SSD. Ah. Bon, bah quand même. C'est que 100 gigas. Bonjour. Good morning. C'est calme là aussi. Hein. Good morning. C'est bien, il fait jour, il fait pro. Il y a quoi ici?
J'ai pas de brosse pour le poney, j'allais dire le l'âne. Mais l'ammunition, elle est de l'autre côté. Elle est où cette ammunition? Enfin, l'armurerie. N'empêche, les animaux sont bien faits. Hein. Ah, c'est fermé. Joshua WTR. Bah. Faut que j'essaie de trouver. Il doit me rester 800 émeraudes. Ah oui, effectivement. On va essayer de voir s'il y a du monde un peu plus haut. C'est paisible, c'est calme, c'est bien. Hey, you wouldn't want to risk over exertion. Hey man, you think I'm playing horseshoes here or something? Tu bouges pas d'ici. Je vais changer avec Noël, passer à deux. Good morning. Est-ce qu'un shérif est dans le coin? Non. Vous crachez par terre souvent? There's enough room for you anywhere else but close to me. Juste à côté de moi. Oh, bon, excuse, désolé. Ah, bonjour, je cherchais justement une boîte. Vous en vendez? Mortuary. Bon. Eh ben. Route quoi. C'est quoi le truc à manger là? J'hésite en même temps. Comme je connais pas les lieux. Ah, il y a quelqu'un qui court. Faut rattraper ses chevaux en haut. Kiki. Regarde. On peut pas les attraper là. Genre. Attrape, monte. Non, je peux pas. Venez par là. Allez, vas-y. Vas-y, mon petit Gaspard. Chope-les. Allez, allez. Un âne contre un cheval. Ah mais je pourrais utiliser une bolasse? Non, ça marcherait pas. Ça marcherait pas. Je pense pas. T'es fatigué? Tu sais pas si... Tu testes pas, hein, si tu testes pas... Ouais, mais j'ai pas envie de les gaspiller. J'ai pas envie de les gaspiller pour rien. Je préfère les vendre, hein. Le chemin, c'est où là? Parce que là, je suis paumé. Je vais aller voir à la ferme potée. S'il y a du monde. Sinon, pas des chevaux, enfin, prêter un lasso ou pire. Allez, bandit Gaspard, vas-y, fonce! Allez! Je peux être brossé, mais j'ai pas de brosse. Trop cher. C'est où la ferme potée là?
Ah, c'est là-bas. Ouais, il galope bien. Hein. Ça galope bien. Ouais, allez, vas-y, tu y es presque. Oh, le pauvre. Je sais, je suis un peu lourd. Arrête de râler. Non, il n'y a personne. Oh, c'est dommage. Bon, alors. On est où, là? C'est quoi, ça? Palanfrenier. Ouais. Après, je sais plus si j'ai déjà été là-bas. Il me semble qu'on a déjà été une fois. Mais c'est un endroit un peu... Tombleweed. On tente? Allez, on tente. On y va. T'es prêt, mon petit? Allez, on y va. Allez, vas-y, force, mon petit Casper. Faut choper les... Attends. Mais non, tu les as fait fuir. Avec ton bruit, là. Ah. Tu fais trop de bruit, Casper. On voulait être discret. C'est raté. Arrête. Ça jauge, c'est la santé, hein, c'est ça, hein, c'est l'éclair. Je pousse. Hein. Allez, on y croit, t'es en dessin. Vas-y, mon petit. Le pauvre. Oui, ça tire. Tu souffres un peu, c'est pas grave. Oui, mais ça te fait ton régime. Oh, le pauvre. Allez, repose-toi un petit peu. Oui, je sais. Reprends ton souffle. Après, faut y aller, hein. Allez, t'es prêt? Allez, on y va. Oh, pauvre âne. Oui, vas-y. Fonce. Je sais pas où je m'en vais, mais... Arrête, c'est une descente. Oh l'eau. Ben, ça fait du bien, de l'eau. Ça va devenir un âne de compétition. Mais oui, c'est ça. Oui, allez. Allez, repose, relâche. Ah, par contre, moi j'ai soif. Alors. Ouais. Attention, hein. On va y aller. Allez, go! Écrase-le, là. Oh, arrête-toi. On va récupérer. Arrête. Chut. Ah, c'est une gore. Mais du coup, la viande, là, je peux pas la... Non. La viande. R.
tout à l'heure, je pouvais pas l'emmener. On peut pas le déposer sur l'âne. T'aurais dû le prendre entier. Parce que là, je peux rien faire. Ah, j'ai pas de sel. Oh, crotte. Bon. Tant pis. Ah bah tu t'es reposé. Allez, maintenant on y va, hein. Allez, allez. Au moins j'ai deux pots, je peux faire deux moufles. Trappe-le. Vas-y, vas-y. Je peux y arriver, mais... Bon, tant pis. Allez, ça. Ouais, oh, ça va. Oh là là, les bruits qu'il fait. Arrête, tais-toi donc. Ça monte un peu. Revendu, 30$ la moufle. C'est ça? Je pourrais les revendre. Ah, c'était à gauche. Je pense. Ça doit être par là. Le pot. Allez, 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 on y va. Ah ben au moins... Comment on regarde par derrière? Enfin derrière. Derrière soi. Action, roue d'interaction. D'accord. Ah oui. Allez, repose-toi, relâche-toi. On arrive. En fait, dans le jeu, j'étais souvent dans ce... Non, c'est dans le 1. Dans le 1, on est souvent dans cette partie-là, il me semble. Je sais plus. Village désert, hein, quand même. C'est pas très... Oh là là. Arrête de râler, c'est une descente. Oh, les kilomètres que je fais. C'est joli, hein, n'empêche. Mais regarde où tu vas. Allez, on accélère encore un coup. Pourquoi il y a de la fumée là? Se compter. Bonjour. Normalement, il y a un incendie sur la... Ah, d'accord. C'est pas ici qui m'avait emmené l'autre jour quand je m'étais cassé la gueule. Non, c'était pas ici. Hein. J'ai encore un chemin à faire. C'est plus loin en fait. Je croyais que j'étais arrivé, mais non, pas du tout.
La trotte. Arrête de râler. Oh, et il en fait du bruit. Moi, je vous le dis. Vous faites une traite. Il pleure. Oui, mais il pleure un peu beaucoup, je trouve. Je suis pas jaloux. On entend que toi. Écoute dans le sirène, le silence. C'est le poids de la tourte. Ouais, c'est ça, ouais. La torture, j'allais dire. Bon, enfin, c'est une torture pour lui. Je pense. Mais non, mais c'est loin, là où on va, là. Et il va falloir revenir... Ah non, je fais pas tout ça. Je vais vous épargner ça. Le retour. Allez, mon petit, vas-y. On y est presque. Attention. Oh là 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 là. Ah, y a plein de chevaux là. Faut que je mange du pain. Bon, va falloir accélérer, mon petit gars. En cheval, on va deux fois plus vite. Rassurez-moi. En fait, j'aurais dû garder le cheval de la poste. Hein. Ah, mais il n'y a personne là en fait. Il me semble que c'était là que j'étais soigné. Techniquement, oui. Arrête de râler. C'était là que j'ai été... C'est tristounet, hein. C'était pas là que j'étais soigné? Je sais plus. Repose-toi là.
Déjà, tu fais moins de bruit. Je vais enlever ça. Il n'y avait pas un dispensaire, hein? Non, c'était pas là. C'était où que je me suis fait soigner? Ah non, en fait, c'était pas ici. C'était pas ici, je sais plus. Bon, attends, on va aller faire un petit tour. On va aller voir. Bonjour. N'empêche, les scènes, enfin les scènes, le côté cinéma, cinématique, c'est vachement bien foutu. Hein, sur les... Bon, après, il faut savoir se déplacer avec les scènes. Voilà, faut jouer à la manette pour être moins saccadé, quoi, en fait, pour que ce soit plus propre. Je vais aller prier un petit peu. Ah, c'est fermé. Appuyez sur entrée pour entrer. Non. Bon, bref. On verra ce que... Enfin, on ira se renseigner un petit peu sur les histoires de vente de bolas. Hein. Enfin, de boulas, mais... Oh, c'est triste ici, hein. Ça pleut. Attends, je sais pas où je suis rendu. Hein. Ah, puis ça sombrit. C'est pas bon signe, ça. Hop. C'est bien vide. Ouais, je confirme. Bon, alors écoutez, on va s'arrêter là. Enfin, moi je vais le faire en route, pas ça. Je vais le faire en route là, et puis je pense qu'on a, on a quand même avancé un petit peu. Hein. On a fait une petite découverte un peu à droite à gauche. On a testé la. Oh purée, toute la route que je dois faire. Oh là là. Je retourne là. Oh purée de pointe de terre. Bon, eh ben y a pas les kilomètres, hein. Je sais pas si l'âne va tenir jusqu'au bout. Ah, peut-être en lui donnant une carotte. Comment on donne une carotte déjà? Carotte. Utile pour faire des choses. Mm-hmm. Ordonner à fuir, bon non. Tatouage, nourrir. Carotte. Tiens mon petit, mange une carotte. C'est mieux. Ah oui quand même. Oh tu parles, ça va vachement rempli.
Alors, on va boire un coup. Hop. Manger un morceau de pain. Hop. Et voilà. Et en mode cinéma, j'ai envie de dire, ça va se faire tout seul. Hein ? C'est pas mal quand même. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce stream. On a fait un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que c'était déjà pas mal. Hein, on a bien avancé dans la petite histoire. Là, c'était, de toute façon, je l'avais mis sur le stream. C'est promenade et détente. Donc, voilà. Pas comme ça. Hop. Et puis, ben, dans ces cas-là, de toute façon, nous, on va se revoir... Oula. Moins fort. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir regardé le stream. On va se dire rendez-vous dimanche après-midi et dimanche soir. Alors j'espère qu'il y aura des trucs hein, quand même, parce qu'autrement... Mais je pense que oui, je pense qu'il y aura des choses. Donc bon, voilà. Allez, on se souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de poutous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.